Quels sont quelques bons jeux pour la démence Les jeux, y compris les mots croisés, les cartes et les énigmes, sont des activités pouvant être utiles aux personnes atteintes de démence. Survenant souvent chez les personnes âgées, la démence est une maladie qui affecte le fonctionnement mental d'une personne. La démence n'est pas simplement un phénomène normal du vieillissement, elle provoque la désorientation d'une personne, ce qui nuit à la vie quotidienne. Rester mentalement actif peut améliorer la vitalité et augmenter les cellules cérébrales. De nombreux jeux pour les patients atteints de démence peuvent retarder ou dissiper temporairement la maladie en gardant les individus concentrés. Les mots croisés et autres jeux de mots peuvent occuper les patients atteints de démence pendant des heures. Les énigmes trouvées quotidiennement dans les journaux incitent les individus à se rappeler des anecdotes et des dates tout en testant leur vocabulaire. Les patients atteints de démence ne doivent pas toujours compter sur les énigmes trouvées dans les journaux. Les mots croisés dont le thème est axé sur les intérêts d'une personne peuvent également garder une personne active et forte sur le plan mental. Semblable aux mots croisés, le Sudoku améliore les capacités cérébrales d'une personne. Cependant, au lieu de tester son vocabulaire, le Sudoku est un casse-tête de placement de nombres populaire qui combine compétences en mathématiques et pensée logique. Comme les mots croisés, le sudoku varie selon les niveaux de compétences. Les cartes sont des jeux auxquels les patients atteints de démence peuvent également jouer. Jouer aux cartes peut aider les patients atteints de démence, car les jeux nécessitent de la concentration, de la logique et des compétences en mathématiques simples. Les jeux de cartes testent également la capacité de trier d'appariement d'un patient atteint de démence. Certains jeux de cartes faciles à jouer incluent la guerre, la vieille fille, le solitaire et les huit fous. Les jeux de cartes qui nécessitent un niveau de réflexion plus élevé incluent le cribage, le bridge et les cœurs. Les puzzles sont également des jeux utiles pour les patients atteints de démence. Les puzzles sont une activité qui oblige les individus à découper des formes pour former une image. Assembler des pièces requiert de la dextérité, de la logique et de la coordination. La gravité de la démence déterminera le nombre de pièces qu'elle peut manipuler. Le bingo est un jeu populaire pour les personnes âgées atteintes ou non de démence. Pour les personnes atteintes de démence, le bingo est un jeu facile à jouer car il se joue à un rythme relativement lent et les chiffres souvent répétés. Le bingo aide les patients atteints de démence à se concentrer et à reconnaître les chiffres. En outre, le jeu peut être joué avec beaucoup de gens, fournissant un exutoire social. Les jeux pour les patients atteints de démence peuvent également inclure des dominos, des dames et des échecs. Ces les jeux populaires ont besoin d'individus à utiliser la pensée tactique. Selon le niveau de démence d'une personne, les échecs peuvent ne pas être une option en raison de la complexité des règles.